rien de tel qu'une bonne douche après de la peinture. Je suis propre comme un sou neuf. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur la figure. De la peinture bleue. Ah, c'est pas possible. Je viens de me laver avec mon éponge. L'éponge dont je me suis servi pour peindre ce matin. Oh, le ballot. Anto, tu t'es trompé. Alors, il faut dire que j'ai expérimenté une nouvelle technique aujourd'hui. J'ai fait ce château avec la technique des tampons éponge. Tu veux que je te montre comment faire? D'accord, nous allons en fabriquer. Mais ne fais pas comme moi, ne t'en sers pas pour te laver ensuite. Hein, tu as vu le résultat. Il te faut une feuille de papier noir et des vieilles éponges. En attendant, je vais me relaver. Déchire un morceau d'éponge et trempe-le dans la peinture rose. Enlève le trop-plein sur un bout de carton. Tapote avec ton éponge pour faire un beau ciel rose, comme quand le soleil se couche. Prends un autre morceau d'éponge et peins cette partie en jaune. Ce sont les derniers rayons du soleil. Maintenant, on va faire l'eau avec un autre tampon et de la peinture bleue. Et avec ce tampon, une belle pelouse, en vert bien sûr. Appuie avec ton tampon jusqu'à ce que tu aies recouvert toute la base et mets-le de côté. Il va nous resservir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Maintenant qu'on a le paysage, il faut ajouter le château. Tu seras le prince d'Épongeville. On continue? Ah, super! Prends un morceau d'éponge carré, trempe-le dans la peinture noire, enlève le trop-plein et pose-le là où commence le ruisseau. Appuie bien pour recouvrir le fond. Tamponne au-dessus pour faire monter la muraille. Il faut protéger le prince qui habite ici. Et tous les châteaux ont des tours. Fais-les comme ceci en pivotant le tampon. Laisse aller ta créativité et dessine le château de tes rêves. Prends un petit tampon carré et de la peinture grise pour faire les blocs de pierre. Place-en sur le haut des tours pour marquer leur sommet. Maintenant, nous allons remplir les murailles. Tamponne tes blocs de pierre les uns à côté des autres en posant doucement l'éponge pour ne pas recouvrir complètement le fond noir. Ça m'aurait drôlement plu de vivre dans un château comme ça, pas toi? En tant que souverain de ce royaume, je t'ordonne d'accomplir une tâche très importante. Fabrique des tampons éponges et crée les portes et les fenêtres de cette majestueuse demeure. Sinon, il va faire drôlement froid dans ce château. Prends un petit tampon carré avec de la peinture marron pour les fenêtres et un plus grand pour le pont-levis. Je prends ce tampon de forme bizarre, je vais t'expliquer comment le faire. Je le trempe dans la peinture blanche pour dessiner les nuages. Donc, tu veux savoir comment j'ai obtenu cette forme? Eh bien, j'ai déchiré l'éponge avec mes doigts, morceau par morceau. Dessine les mâts des bannières au sommet des tours avec un pastel jaune. Reprends le tampon qui t'a servi pour la pelouse et fais les bannières qui flottent au vent, toutes dans la même direction. Et la touche finale à Art Attack, prends un pastel blanc et dessine les détails des murailles du château. Utilise du brun clair pour les fenêtres et la porte, et un peu de jaune pour donner une touche de lumière aux bannières et à la pelouse. Mission accomplie, Votre Majesté. Et voilà le résultat. Ah, ça rend quand même mieux sur du papier que sur ma figure. Et tu peux créer plein de chefs-d'œuvre avec cette technique. Regarde cette chenille. J'ai utilisé le même tampon pour son corps et pour le soleil. Ah, il est futé, Anto. Hein. Et voilà la haute mer et des vaisseaux de toutes les couleurs. Tu devines où j'ai utilisé le même tampon? Eh oui, sur les vagues et sur les nuages. Et tu n'as pas encore vu le plus beau, Anthony, une création unique. Ah, mais c'est ton autoportrait. Ah, très sympa, Vincent. Mais tu es couvert de peinture. Ah, tu as fait la même erreur que moi, c'est ça? Oh non, Anthony, je me suis fait un masque de beauté avec la boue de mon île. C'est très très nourrissant pour mon écorce. Tu as raison de vouloir conserver ta beauté, Vincent. Allez, à toi de jouer. Fabrique tes propres tampons éponges et crée de magnifiques œuvres d'art.